Bonjour chers spectateurs, la construction du BTU Sauvelmage bat son plan. Ce jour-là, la préparation du chantier pour l'installation des systèmes de viabilisation extérieure se poursuit et les ouvriers effectuent également des travaux de terrassement hors site. L'on a notamment commencé à creuser la tranchée pour le raccordement au chauffage de la ZES. Le renforcement de la plateforme pour l'équipement climatique est terminé, ce qui permettra de couler la dalle en béton dans un proche avenir, après quoi les travaux de béton seront enfin terminés. L'équipement thermique a été transféré dans une autre partie du bâtiment, afin de pouvoir commencer la pose du carrelage. Des préparatifs sont en cours pour installer des systèmes de drainage de l'eau de pluie. La pose du carrelage au sol du rez-de-chaussée du BTUI commence. Les structures métalliques et les panneaux sandwich sont progressivement transférés de l'entreposage temporaire à l'intérieur du bâtiment, ce qui permettra notamment de commencer les travaux d'installation de cloisons intérieures du rez-de-chaussée. Dans le bâtiment administratif et technique, les travaux d'installation de cloisons intérieures se poursuivent au premier étage et ont également déjà commencé au deuxième étage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne officielle YouTube en français afin de découvrir en avant-première des informations sur les événements de l'entreprise et la construction du BTUI Sauvelmage.